Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de votre Huawei Nova. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 30 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour Huawei Nova, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule large, d'un rouleau de stickers 3M et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Huawei Nova. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti! Avant toute chose, retirez le tiroir SIM, puis retirez les deux vis entourées en rouge au bas du téléphone. Ensuite, insérez délicatement la spatule Sésamo au niveau du bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière, et faites levier pour séparer la coque de l'appareil. Allez-y doucement pour ne rayer ni l'écran, ni la coque. Attention, la coque est encore reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte. Ne les séparez pas entièrement tout de suite. Dévissez la vis entourée en rouge. Cette vis maintient la plaque de renfort du connecteur de la batterie et du capteur d'empreinte. Retirez la plaque. Puis, avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie ainsi que la nappe du capteur d'empreinte. Maintenant, dévissez et retirez la plaque métallique protégeant les nappes de liaison. Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran LCD ainsi que la nappe de liaison du connecteur de charge. Passons au retrait de la batterie. Avant de l'enlever, nous vous conseillons de chauffer plusieurs secondes la face avant du téléphone pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie au téléphone. Ne chauffez jamais la batterie directement, cela pourrait être dangereux. Insérez alors la spatule large sous la batterie et faites levier pour la décoller. Après quelques minutes, la batterie devrait se retirer toute seule. Et voilà, la batterie de votre Huawei Nova est démontée. Vous pouvez procéder à son remplacement. Généralement, les batteries de Huawei disposent d'adhésifs précollés. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez utiliser un sticker universel. Dans ce cas-là, découpez deux bandelettes et collez-les à l'arrière de la batterie. Retirez les protections des stickers et placez correctement la batterie dans son emplacement. À présent, rebranchez les nappes de liaison du connecteur de charge et de l'écran LCD et revissez le cache de protection des connecteurs. Le remontage est bientôt terminé. Reprenez la coque arrière et reconnectez le capteur d'empreinte au téléphone ainsi que la batterie. Ensuite, placez le cache métallique qui protège ces connecteurs et revissez-le. Il ne vous reste plus qu'à faire basculer le téléphone sur la coque arrière et le clipser dedans. Assurez-vous que chaque côté du téléphone soit bien clipsé dans la coque. Pour finir, replacez les deux vis pentalobes de chaque côté du connecteur de charge. Et n'oubliez pas de remettre le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour Huawei Nova, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule large, d'un rouleau de stickers 3M et d'une spatule Sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.